ici Morgan von Brelan. Et je retourne sur Ozymandias. On va continuer l'Amérique centrale. Il ne reste plus que deux à faire. Oui, on va se lancer sur les apothèques. Difficile, succès absolument pas garanti. Je suis une tanche. C'est parti. Donc, les apothèques, leur pouvoir, c'est qu'ils peuvent faire plein de villes. Oula, je crois que j'ai mis un petit coup dans le micro. Ils ont plein de villes et ils ont des grosses villes. Technologie de drapeau coûte plus cher. Technologie de vivre sont plus chères. Ouais, ça commence dans les forêts. Un des pires terrains. Ça va être difficile, je suis tenté. Prendre de la science directe. La science de forêt. Ça me semble pas idiot. Ce sera pour tous les techs. Oh, j'aurais bien aimé le retour d'avant ça. Ça va nous être très utile. Un drapeau de rivière gratuit. Très très utile. Ok, ça part pas trop mal. On va investir très fort dans cette rivière. Beaucoup de science, mais c'est la 20e vie sous forêt, technologie de production dans les forêts. Je veux faire une vie dans la forêt. J'ai très envie. Ça coûterait 24? Proche. 3 dollars par frais. Voyons voir. Je prends des coups. La voiture, j'aurais 38. Je prends ça. J'aurais 33. J'aurais 27. Je prends 7 cases. J'aurais 24 piles. 25. Ah oui, 25, parce que du coup, j'ai moins de pertes. Et ben, parfait. Ah, salaud! Oublié d'investir dans la de la science pendant quelques tours là. Ah, les salauds qui nous étouffent. Technologie de production de rivière, la bouffe toujours. Important de profiter de cette technologie gratuite de nourriture. Je rappelle que nos technologies de nourriture coûtent plus cher. Et donc, monsieur le Mixtech, tu te fous pas un peu de ma gueule? Comme ça, qu'on faisait du pognon. Et qu'on va aller taper la gueule sur. Taper sur la tronche de monsieur Big Steak là. Hein.
commencer à se prendre quelques ressources. On va prendre le pognon, on pourra immédiatement se payer une deuxième unité. On se paye le luxe. On va acheter genre un de force. Et on va renforcer la production dans l'air. Plus de pognon. C'est pas très intéressant tout ça. On va refuser les deux et on va prendre l'orfèvre. Très important ça, l'orfèvre. Et on va commencer à acheter des réductions de perte de savoir, je pense. Commencer à tirer avantage le bonus. Peu de savoir dans les prairies, je pense, et dans les montagnes. Full connaissance, on va voir commencer à investir dans les technologies d'océan. Ça va être important. Un verger, intéressant. On recommence. Si je fais ça, j'aurai 111. Je pourrais me payer une technologie d'océan. Parfait. Et ça me permet de prendre beaucoup plus de drapeaux. Comme quoi, le truc qui nous demandait de poser des drapeaux en un tour, on a peut-être pu le prendre. Des océans, parfait. Avec ça, une réduction de perte de savoir. Et rien d'autre. C'est déjà pas mal. On va prendre une réduction de perte de force. Très important. Ah, salaud! Les maillards, j'ai pas vu! Une attaque! Je peux rien y faire parce que j'ai dépensé toute ma bouffe. J'aurais pu réinitialiser mon tour, mais flemme. Oh. On va pouvoir couper leur territoire en deux et je pense sur tuer une unité avec ça. Voilà, et on complète les deux opportunités comme ça qui vont bien. Plus de perte de richesse. On se met bien là. On va être pas mal là. Bingo! Et unité de tuer, une! Chez! Quel prix c'est? On a commencé à construire des placements, c'est excellent ça!
Non. Ce pied est le luxe. Un petit bateau. D'abord comme ça. Ensuite du petit bateau, comme ça, ça nous coûte moins de nourriture. Il peut aller jusque là. Ça... Ouais, c'est déjà pas mal comme ça. C'est parti. C'est leur casser la gueule un peu là. Hmm. Je me rends compte que j'ai oublié de... Ah, il a sorti un bateau aussi, je vois. Je vois. Bien, moi, je vais finir de booster la production de ressources. J'ai acheté, je pense, une caisse supplémentaire. Et on va commencer à s'amuser. Tout à l'heure, il y avait l'opportunité qui demandait de passer l'unité à taille 8. Ça aurait pu être intelligent. On va commencer à dépenser tout notre pognon. Voilà, plus de science dans les villes. Ce sera un bon début. Vache, enfin, elle me repousse. Les Mayas ont plus de force que moi. Bien. Très bien. C'est le moment que j'attendais. Par contre, on commence à se faire pousser de tous les côtés là. Ça me plaît pas bien. Que ça pourrait être possible. Tout un pognon, laisse ça comme ça, fini d'améliorer ça. On va dépasser l'huile là en attendant. En ce temps, lui qui croit qu'il est en train de nous baiser. Tac, tac, tac. Et on va l'écraser comme ça. Toi, par contre, ça pourrait être possible là. Attends. Tu t'en vas. Allez. Chou. Du vent. Force de la guerre. Ici, on va continuer à accumuler et à se donner plein de force. On résiste bien. Et là, lui qui croit qu'il fait le mariole avec son bateau. Il va voir sa tronche. Et ça va faire grosse conquête. Et notamment, ils perdent leur bateau. Ouf, on a quand même perdu plein d'océans. Ah. J'ai récupéré tout d'un coup, mais quand même, ça fait mal. Ça fait plutôt mal.
sauf qu'il y a un autre bateau. Oh mon bateau! Plus de force sur la rivière, parce qu'on a une mission qui nous demande de conquérir une rivière. Donc moi, je serais bien d'humeur pour me conquérir une rivière, là. Vite fait. Tu vas prendre la litre en deux bouffes. Oh. Par contre, ça. C'est plutôt juteux. Tu vas aller là. Continue de développer nos villes. On est industriel, c'est notre force. Ouais, ils ont bien défendu leur ville, ça c'était attendu. Oh. 200 bouffes, plein de force, ça va se compter plus tard ça. Mais pour l'instant, plus d'impôts. Ah, et ici on les a repoussés, c'est ça. On va faire ça, lui, là. Et avancer comme ça. Ça m'a l'air bien. Ah, il repousse là. Qu'il me laisse en trois tours. Ah, ça va être compliqué, mon pote. Allez, catapulte! Catapulte! 13 de force ou unité de plus? Ah, 9 de force. Allez, on va all-in sur les Mayas. Ils ont suffisamment cassé les couilles. Oh là là, qu'est-ce qui s'effondre bien! Allez, on insiste. Ok, ça me plaît ça. Ça me plaît beaucoup. Parce qu'on peut s'avancer comme ça. S'avancer là. Lui, on le ramène. Pas besoin de ça, c'est en vrai. Lui, on le ramène là. Ça ne touche pas. On fait une nouvelle ville. On se montre très menaçant. Alors on prend ces deux opportunités là. Plus de force sur les villes. Plus d'habitants dans nos autres villes. Et on les prend. Ouh, ça, ça fait mal. Et c'est les... Oh. Waouh. Déjà, ça fait même pas 20 minutes. On a eu quoi comme couronne? 18 de force. Pyramide, 32 habitants, ça c'est normal. On est industriel, on est fait pour. Et le colosse, d'accord. Ok, bah c'était... c'était beaucoup moins difficile que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a remis la violence. Bon. Eh ben, on se retrouvera une prochaine fois pour le dernier épisode avec les Mixtech. Ça va bien se passer. Non, je pense que ça va pas bien se passer. Mais ouais, en vrai, les apothèques difficiles, je dirais pas. Hein. Franchement. Aussi, c'est... dire en Chine, le monde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est sorti ce DLC. Y a quoi? Il y a les Aztèques là, les Incas, pas la liste, hein. Les Mycénéens, les Égyptiens, encore les Européens et les Zhou. Ah. Ce que je voulais montrer, c'était
la Chine. Voilà, les Song qui étaient considérés comme étant un départ moyen pendant un temps. Et que maintenant ils disent que c'est facile. Parce que c'est facile, les jeux c'est très facile, hein. Vous mettez juste toutes les technologies dans les prairies. Votre développement de science est très facile avec ça, et un peu dans la rivière. Simplement, vous étendez très fort. Avec votre pouvoir industriel, vous construisez des villes de partout et construisez basiquement la Grande Muraille de Chine. Et ouais, c'est très facile de gagner avec les Song. Si vous jouez en multijoueur sur cette carte et que vous jouez pas les Song, ni les Zhao, il faut vous concentrer sur les Song parce qu'ils peuvent, ils peuvent devenir imprenables très vite. Donc peut-être que les Apothèques sont un peu dans la même situation. Franchement, c'était beaucoup plus facile que prévu. Mais bref, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine!